Oh, un monsieur Nuka. On se fait vraiment chier depuis que Misha a conclu cette alliance. J'aime pas trop faire ami-ami avec les autres. Bonjour. Misha n'a qu'une seule règle. Bonjour. Le mec, il arrive tout content. On s'attend à un peu de gratitude. On s'assure que vous ayez assez à bouffer et à boire. On vous protège. Sans nous, vous seriez de la chair à ver de sang. Donc soit vous faites votre boulot pour gagner votre protection, soit on vous balance en dehors du parc. Peut-être que vous préféreriez être là dehors, seul et sans armes. Non, je... Hey. On dirait qu'à chaque fois que je répare un truc, il y en a un autre qui lâche. Ça, c'est bordel. Si tu portes un collier, c'est parce que tu l'as demandé. Personne devient esclave sans le vouloir. Excusez-moi. Personne va regretter Colter. Mais vous avez quand même intérêt à assurer. J'adore cette tête. Bien le bonjour, jeune homme. Bienvenue à Nuka World. Je suis Mira, votre super guide d'information sur Nuka World. Est-ce votre première visite de Nuka World? Je ne suis plus un jeune homme depuis longtemps. Vous savez, tout le monde dit ça. Pour nous, toute personne. Avant que vous ne commenciez votre grande erreur. T'as fini de me faire perdre mon temps, récupérateur pouilleux? Parce que tu m'ennuies, et quand on. Vous avez l'air de souffrir d'un Le seul dysfonctionnement ici, c'est la brûlure. Je devrais peut-être. Système. Oups. Pardon pour ce petit bug. Mes données indiquent une falsification non autorisée de mes sous. Uh-huh. Veuillez contacter un technicien de. Un dysfonctionnement. Les systèmes internes ont enregistré une mise hors tension. Uh-huh. Lorsque les fonctionnalités ont été restaurées, mes récepteurs audio ont enregistré toute la scène et j'ai soumis un enregistrement sur. Ne vous en faites pas. Même avec cet incident malheureux, je suis... Et comme j'allais le dire, j'ai un petit conseil pour vous aider. Assurez-vous de récupérer les médailles du parc au cours de votre visite de nos attractions. Si vous avez des questions sur Nuke, uh-huh. Et n'oubliez pas, c'est toujours le bon moment. Ah super, on va avoir des mini-jeux. Parlez-moi des différentes zones du parc. Avec plaisir. Ayez la tête dans les étoiles avec la zone. Explorez le port interstellaire Nuka. Et bien. Voyagez dans le temps pour revenir à Dry Rock Gulch et vous promener dans les rues poussières. L'histoire prend vie grâce à nos reconstitutions. Découvrez les merveilles de la nature dans notre... Affrontez le labyrinthe de haies et grimpez en haut de l'immense... Et n'oubliez pas de visiter le royaume. Uh-huh. Vos petits chenapans adoreront faire un tour. Uh-huh. Et enfin, pour fêter sa sortie mondiale, okay. Nous avons réaménagé l'attraction du monde des rafraîchissements pour y ajouter une rivière de New... Aviez-vous d'autres questions? Pourquoi sa voix est partie en couille? J'aimerais en savoir plus. Avec plaisir. Dans tout le parc, il y a des distributeurs. Une fois la collection complète, il faut juste... Bien. J'ai une autre question. Bien sûr. Si je cherche un endroit pour me détendre ou pour manger un morceau, où est-ce que je dois aller? Mais vous êtes à l'endroit rêvé. Nuka Town, USA, est un endroit parfait pour se relaxer. Si vous cherchez un petit encas qui plaira à vos enfants, vous avez un rendez-vous galant. Vous voulez une vue imprenable tout en profitant d'un dîner de classe. Si vous aimez les défis, aviez-vous d'autres questions? Je crois que non. Pas de questions, je vais te shooter. Dans ce cas, erreur. Tu es encore là? Dégage. Ah putain. Alors marcher, d'accord. Je voudrais un truc pour réparer mon armure là parce que c'est un peu le bordel. Et puis un petit truc pour ranger mes affaires. Par là. Ah, je suis lent. Avance. Et... Vous avez rien vu qui sortirait de l'ordinaire ici, hein? Peut-être quelque chose de caché, de la forme d'une capsule de bouteille. Je croyais qu'on vous avait dit de rester au marché. Si vous voulez quelque chose, vous le trouverez là-bas comme tout le monde. Je me fiche de votre marché. Je n'ai pas parcouru des centaines de kilomètres pour faire les courses. Nuka World, j'ai toujours voulu venir. Je vois pas ce qu'il a de spécial. Quoi? Dites-moi que vous plaisantez. Oula. Il n'y a pas d'endroit plus spécial au monde. On imagine facilement les enfants heureux. Okay. Je m'appelle Sirapé. J'ai fait le voyage depuis les terres désolées de la capitale. Vous avez peut-être entendu pas. Bien
sûr, le musée du Nuka-Cola. Sans rire, c'est génial. Je suis contente qu'il... Ça me fait vraiment plaisir. Tenez, laissez-moi vous rendre l'appareil. Il est plus très frais, mais ça enlève. Enfin, bref, je resterai bien discuter, mais... Si vous cherchez des lunettes de soleil encore plus ridicules, laissez tomber. Des lunettes de soleil? Ah, oh, vous parlez de mes lunettes Capi. Désolée, elles sont classe, hein? Ah, oh, j'aurais pas dû dire. Je pourrais vous donner un coup de main si vous voulez. Ah, oh, c'est gentil, mais ça ira. Disons que je... Je garderai votre secret, vous pouvez me faire confiance. Bon, d'accord. À vrai dire, je suis tellement... Je pense qu'on peut me considérer comme la plus grande fan de Nuka-Cola où je collectionne tous les produits dérivés que je... Mais ce ne sont pas des lunettes de soleil ordinaires. Elles faisaient pas. Le gagnant de ce concours aurait eu la chance de rencontrer John Caleb Brad... Non, John Caleb Bradton. C'est incroyable. Je sais. Pour remporter le concours, il fallait trouver 10 images de Capi, la mascotte de Nuka-Cola, cachée. Sur chacune de ces images se trouve un code ou quelque chose comme ça, que seules ces lunettes spéciales peuvent... Oui, je sais ce que vous pensez. Brad Burton est mort depuis longtemps, mais je suis prête à parier que son but... Cette formule était l'un des plus grands mystères du monde des sodas. Ce serait le plus beau... Si vous voulez bien m'aider... Vous avez intérêt à tenir parole. Je ne gère pas une œuvre de bienfaisance, vous savez. Bien sûr. Brad Burton ne s'est pas contenté d'élaborer des formules de soda. Bien. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de dénicher la... Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi pas? C'est vrai? Vous êtes nouveau ici. Je vais vous donner mes lunettes Capi et ce vieux prospect. Notez les indices que vous trouverez au fur et à mesure. J'en connais un rayon sur le nuque. Bonne chance. Ok. Pour l'hospitalité, on... Salut, Sierra. Que vous ne verrez pas les codes des images cachées de Capi. Ça va me rendre fou. Bon, est-ce que je vais réussir à atteindre le monde pétillant ou pas? Je suis de nouveau tout lent. Le putain. Bouge tes fesses. Avance. Allez, allez, avance. C'est toi. Allez, j'y suis presque. Oh putain, je vais me faire écraser. C'est un petit peu vétuste. Ah, bonjour. Oh oui, une station. C'est chez vous, chef. C'est chez vous ici maintenant. J'espère que vous aimez la déco. Colter, okay. Maintenant que vous êtes aux commandes, vous avez le... Si c'est vraiment moi qui donne les ordres, autant... Voilà, c'est exact. Écoutez, je vais être franc avec vous. Mais une chose est sûre, ce sera pas moi. Je suis pas un meneur d'hommes, et certes, je serai plus utile en aidant le nouveau grand Manitou. Oh, bien sûr, je comprends. Alors vous avez décidé de peindre une cible sur mon dos, c'est ça? Je vais pas vous mentir. C'est une des raisons pour... Mais ce sera pas à ce point-là. Faut prendre un peu de recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble, d'accord? Immense, construit comme une putain de forteresse. Si vous avez... On a fait le plus dur. C'était un putain d'exploit d'arriver à faire bosser ensemble les disciples, les autres. C'était il y a un an à peu près. On a défoncé la porte principale, on a pris nous. Et là, disons que Colter a commencé à se tourner les pouces. Les gangs ont commencé à s'impatienter, à se chercher des noises entre eux. Je peux y arriver, je peux arranger. Ah ouais? Je crois que j'ai entendu parler de vous, en fait. Vous êtes une grosse tête de la confrérie de l'acier, c'est ça? Ils sont pas tellement différents d'un gang de pillards, si vous voulez mon avis. Je connais les gangs comme personne. La première chose à faire, c'est d'amadouer. On vous demande pas de leur faire confiance. Merde, on vous demande même pas de les aimer. Il faut... Vous savez comment je pourrais m'y prendre? Ouais, d'accord. Les disciples aiment la violence. Les opérateurs sont surtout intéressés par l'argent. La meute, je sais pas. Ils suivent toujours... Vous en faites pas pour moi. Moi, je compterai pas. Techniquement, vous êtes déjà le nouveau grand Manitou. Faut aller voir leur chef.
Parlez-leur, jouez un... Bien. Allez, on s'y met. Ouais, c'est ce que je voulais. Mm-hmm. Faut juste leur montrer que vous êtes... Si vous avez besoin de moi, je serai ici. Vous êtes... Allez, dépêche-toi, j'ai réparé mon armure. Oh putain, il a eu une bonne idée quand même. Il a mis un établi. Ah, qu'il est doué ce culteur. Bon, nul parce qu'il trichait pour se battre, mais bon. Est-ce que j'ai les plaques? Plaques soudées. Ouais. Pff. On est sur du combien? 170, 170, 150. Ouais, ça vaudra pas. Ah merde, j'ai plus de quoi réparer, chier. Là me manque un bras. Qu'est-ce que de dire. Alors, est-ce qu'on a un établi ou une cornée comme ça? Non, et ça va faire chier. Bah là non, chercher un truc, mais bon tant pis. On va mettre ça là-dedans. Tac, ça devra faire l'affaire le temps que je trouve autre chose. Oh, monsieur avait une petite collection, ce que je vois. Pas sympathique. Une petite boîte à épingles. Ouais, au moins, on a pu me donner les clés du coffre. J'espère qu'on pourra un petit peu modifier le parc. Mentat, médaille en or. Alors, une capille, mettez les lunettes, médaille précieuse, un plan ambitieux. Bon, de toute façon, on va essayer de tout faire, hein, comme d'habitude, comme pour Far Harbor. Faut que je gère l'autre arme pourrie, là. Voilà. Cris du Mont Pétillant. Ah oui, c'est... C'est bizarre. Aïe. Il est mort comment le nouveau grand Manitou? Il s'est pris un coup de porte. Aïe. C'est triste comme fin. Et toi? Faut qu'on trouve de l'aluminium. Allez, il y a bien une réserve. Ouf. Ouais, c'est une réserve, pas de ce que je m'attendais, mais c'est une réserve quand même. Mec, se tournait vraiment les pouces, hein, putain. Macaroni Blanco. Ce jugement. Allez, il met de l'aluminium sur cette merde. Ah là, je savais que ça servirait. Bon, en espérant que je reperde pas toute mon armure en 2 secondes, normalement ça devrait être bon. Ok, pourquoi faut que j'aille là? Ah d'accord, c'est pour descendre plus rapidement. Ok. Bah je récupère mon armure d'abord, vous êtes gentil, mais... Hop. On reprend l'armure. Enfin, on répare le dernier morceau. Tac. Alors on répare le casque, on va réparer le plastron plutôt. Tac, 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 tac. Ok. Allez, on va aller faire un petit tour dans le parc maintenant qu'on peut de nouveau marcher normalement. Puis quand même mon armure est beaucoup plus badass que la sienne. Vieux truc tout pourri. Ah oui, on peut pas dormir avec eux, parce que ça me filerait l'état reposé. J'aimerais bien qu'il fasse jour. Sauf s'il fait toujours ce temps de merde. Mais non, putain. On va faire 5h, puis 24 pour revenir à 10h. Voilà. Ah non, je peux pas participer à la défense. Non, là, ça va pas être possible du tout.
Je suis le grand Manitou, vous comprendre, j'ai des responsabilités maintenant. C'est plus possible, on peut plus se permettre. Vous voulez quelque chose, chef ? Rien d'autre pour l'instant. D'accord. Bon, bizarre lui. Ah oui, d'accord, en fait ça peut nous mener directement là. Par la porte. Alors, on a tous les trucs à aller voir. Et pour les récupérer, les médailles et tout. La récompense spéciale, c'est peut-être une arme légendaire ou une armure. Les mecs, ils rangent 20 missiles comme ça dans une boîte. Voir, ah bah oui. J'avais reconnu quand même le grand truc de Nuka. C'est fini de me tirer dessus de loin, oui. Fais gaffe où tu vises, en fait. Nuka Arcade. Ah, Nuka Arcade. Alors. Donc on est dans le truc d'arcade, là. Nuka Arcade 1. Comment ça marche? Je veux jouer. Ah. Mais je vais pas tirer dessus. Ah bah si. J'ai une idée. Attends. Attends, petit jeu, 2 minutes. Bon, j'en conviens, c'est pas rapide. Le mec, il va défoncer la machine. Ce sera plus simple avec le minigun. Ok, il me les compte même pas. Ok, pour la Nuka Arcade. Hey, d'accord, mais si vous me le comptez pas, c'est pas drôle. Ah, une matraque, c'est pas bête. Mais si, avec la matraque. Enfin, s'il me reste des jetons. Oh, j'en ai plus. Non, mais ils sont sérieux. On peut pas acheter les trucs. Ah, faudrait le junk machin là. Hein? Oh! Une arme légendaire. Ouais, enfin bon, ça va être compliqué, je pense, hein, pour taper dessus. Ah! Donne-moi tes jetons! Vas-y, fais péter les jetons. C'est de l'argent d'avant-guerre trouvé, autant que ça serve à quelque chose. C'est bon. Je pense que ça ira niveau jetons. Hein. Non mais arrête. J'ai tellement pris de jetons que j'arrive pas à les ramasser, quoi. Bon, le reste on les reprendra après. Alors, réessayons.
Le record il est à 1800 sur le machine, donc c'était battable celui-là. Par contre pour le jet de... Ah ça doit être là. Ah putain. On décide de me faire chier en plus. Alors. Ah bah voilà. Changer vos tickets, tickets actuels. Bah si j'en ai. Fleur est montée, ours en plus souvenir. Fleur est montée. Je sais pas, c'est un peu pourri comme récompense. Y'a quoi d'autre? Oh! Oh non, il est cassé! Oh, je voulais faire du flipper. Mais comment ils veulent qu'on joue à ça? Regarde un objet, maintenant une fois. Ah, d'accord. Ah bah, merde. Alors évitez de ramasser les roll balls s'il vous plaît. Allez, attention, un petit lancer. Oh. Allez, on s'applique, on s'applique. Ok, d'accord. Mais putain, ma balle est partie en couille. Et j'ai bloqué mes deux balles. Putain de machine. On peut tricher. Mais c'est n'importe quoi. Ok. La balle se téléporte. C'est fini. Ah bah non, j'en ai une dans mon sac. Oh putain. Ça s'appelle comment? Balle de... Non, c'est rollerball du coup. Ouais, c'est ça. À moins que... Hein, c'est ça. J'ai tellement de trucs aussi. Le mec, il doit avoir un trousseau de clés, mais... C'est dégueulasse. Tellement qu'il y a de trucs. Allez, putain. Ils me l'ont mis dans... Je suis sûr... Soit ils me l'ont mis dans divers. Ah oh, putain, soit c'est dans bric-à-brac. Oh merde. Allez. Là, j'avais une médaille. Ah. Putain. Je me déteste. Oups. Bon, c'est bon là. Ah, ils m'en ont redonné. Ça va être facile de péter le score, hein. D'accord. Mais attendez, j'ai pas fini. Oh. Bon, 89, c'est bien. On aurait pu faire mieux, mais... J'ai passé 3 heures à... Ok, à chercher des trucs. Réacteur stellaire. Ok. Est-ce qu'on peut rendre le coup de soif mortel? Dommage.
Ça aurait été rigolo. Enfin, rigolo, dans une certaine mesure. C'est gentil, mais je méritais bien un réacteur à fusion pour me rembourser mes trucs. Merde. Putain. Bon, bah on verra plus tard, du coup. C'est rigolo, c'est divertissant. Il devait être bien ce parc avant que y ait des bombes qui tombent dessus, quoi. Machine à écrire. Brochure de carte du parc. Ah, c'est joli. Là, il y a quoi? Faut tirer sur les bouteilles, d'accord, même principe. Hop, là-bas, c'était le même truc qu'on a vu au tout début. Bon, bah on reviendra. Il y a encore plein de prix dans le système de récompense. J'ai toujours plein de jetons à vendre. Je vous en mets quelques-uns. Mais non. Je n'ai besoin de rien. Aucune urgence. Tu rigoles ou quoi, espèce d'arnaqueur?